Hello guys, we are in Geneva right now waiting for the plane to Nice. There is slight delay, but it is what it is. Everyone is kind of chilling. We wait for the plane and see you in Nice. Hype already? Est-ce que c'est une bonne chose? Je suis pas forcément sûr. Doubou qui trouve un peu de poc. Et Langage qui vient d'arriver du côté de Bénès Académie. Mais c'est trop positionné. Linsas qui devrait tomber. Jésus qui a réussi à prendre un kill du côté de la tirière. Doubou est là pour essayer de protéger Camillus. Camillus qui encore vivant dans les champs de la tuerie. Il va qu'on fait la différence. La téléportation de Ragnar contre un énorme Renekton. Attention, il y a encore un stack de dash, il va directement sur Ricœur, le stun qui passe, est-ce qu'il a les dégâts? Vous trouvez? Non, il a pas les dégâts ici, le stun qui revient du côté de Jack. Ricœur, le gars qui existe à faire, qui ne suffira pas, il va tomber, et le kill ira tomber. Ils ne sont pas tirés d'affaire, les Géos. Attention, ça flash directement sur la midline, Mati qui se fait attraper, le backup de sa team n'arrivera pas assez vite. Ça a l'air de vouloir répondre sur le blitz sur le côté, mais il n'y a pas de follow-up. Erdot qui s'est un petit peu suicidé ici, sur cette midlane. Et là, il va falloir passer la boulette du Jace qui touche. Qu'est-ce qu'on décide de faire, Camille? Qui touche agressif, ok, silence, mais qui a le temps d'utiliser un coup d'enfrag. Le mec de Ricœur est excellent, mais les dégâts de Jésus sont excellents ici, mais bien calmés. Les solo laners, BBDS et le fight est totalement remporté par les Géos. Les Géos, et ce sera la game, les Géos, qui rejoignent le podium tout en haut. Let's get it. Today we kind of have to win against Vitality. This is what I told them. Look at them. I told you. This is what I did. Look, this is what I told them, and look, it's 1 hour until we can go on stage, but you know the drill. That's us professionals here. I'm professional, but these people are not, you know, so that's it. Thank you.
I need you today too. You hear me, bruv? We'll have time to talk still. Et on a une compo qui est très forte et qui a beaucoup de dégâts. Il attend que Ricker mette un cooldown, par contre, il a pas son rocket jump, le pusher shot, il est peut-être obligé d'utiliser un flash Hayek, et il va probablement tout de même y passer. Oui, ce sera un first blood du côté de Ricker. Très bien joué du côté de... J'ai le numéro 11 qui a été mis. Le flanking qui va être retrouvé par Jack Troll avec le triple bump. Arrivé de Néon dans la mêlée. On a la bombe en plein milieu. L'ulti Scarface qui ne touchera absolument rien. Ils vont y aller. Peut-être qu'on a un peu trop traîné du côté des BS Academy. Et le setup est là. Néon peut s'envoler. Chayek qui récupère le kill sur Ricker. Et là, on est en train d'enchaîner. Et le racket de Jack Troll qui conclut parfaitement le kill. Mais il est fou, il avait la stopwatch, il va l'utiliser, est-ce que les renforts pour être là? Attends, il flash directement, Néon qui n'a peur de rien. C'est un fou furieux. 1-2-0, bravo Vitaly Tsumi. Superbe game de la ruche, très très belle, à base de Kassa, à base de... Let him do it not once. Hello guys, of course we are after the offline event in Nice. It was a very nice experience. Unfortunately for us, we were not able to pull off a win on this event. Of course I'm disappointed a bit in myself, in my team. I still believe we can make it, and I still believe we can show up the true BDS Academy, which is this BDS that I know from Screams. You guys unfortunately don't have the experience to see us, but our true form is beautiful, and I want you guys to see it. So stay tuned, thank you for watching, and see you on the next LAN.